Kelly Vedovelli est une chroniqueuse emblématique de Touche pas à mon poste. Aux côtés de Cyril Hanouna, la jeune femme commente l'actualité sur le plateau de C8. Mais voilà que le mardi 14 février dernier, elle était absente de TPMP. La raison? Si est le présentateur qui l'a annoncé lui-même. Vous savez que Kelly avait une petite opération aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment ça s'est passé. Vous avez vu qu'elle n'a pas changé autant que ça, a-t-il déclaré en désignant Sophie Coste, qui l'a remplacée au pied levé. Elle va bien. Sachez que l'opération s'est bien passée. Kelly Vedovelli va ainsi s'absenter pendant quelques jours. Et elle sera de retour la semaine prochaine, elle va se reposer, a-t-il précisé, avant de poursuivre, elle avait un kyste et donc si est terminé, le kyste est parti, on embrasse le kyste, a-t-il ajouté en riant. Ainsi, les téléspectateurs vont devoir attendre quelques jours pour retrouver leur chroniqueuse préférée. Kelly Vedovelli se confie sur ses problèmes de santé. Kelly Vedovelli avait déjà indiqué à sa communauté qu'elle souffrait d'un petit problème de santé. En décembre dernier, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste partageait son inquiétude quant à une excroissance qu'elle avait remarquée dans son cou. Pour la boule que j'ai ici, j'ai de bonnes nouvelles. Ce n'est rien de grave, si est un lipome. Il faut l'enlever parce que ça grossit et si est très dérangeant, mais il n'y a rien de grave, avait-elle finalement déclaré. Ce n'est pas grave, juste ce qui est délicat si est collé aux cordes vocales. Si est une opération assez délicate à ne pas prendre à la légère, ajoutait-elle. Une façon aussi de faire de la prévention auprès de ses fans, en leur indiquant qu'il est nécessaire de bien observer son corps.